Alors on l'a pensé avec Bernard Lahir qui a publié un grand livre à la découverte qui s'appelle L'interprétation sociologique des rêves. On l'a pensé ensemble. Donc il assure le premier article qui est une qui invite les sociologues notamment à ne pas rester autour du rêve. Au fond on connaît très bien l'histoire des interprétations savantes ou des interprétations populaires du rêve, mais il faut que on entre de plein pied dans la fabrique du rêve. Et donc il propose que les sociologues se risquent à l'interprétation sociologique des rêves en disant au fond il y a des couches du rêve que la psychanalyse délaisse en quelque sorte, et il y a de la place pour les sciences sociales doivent s'emparer de cet objet. Après il y a un deuxième article de Laurent Jean-Pierre avec deux psychanalystes chiliens, Pablo Reyes et Andrei Redich, je crois. C'est autour des adolescents chiliens, travail de sociopsychanalyse, voir comment les deux disciplines peuvent se parler. Et il se trouve qu'en Amérique latine, il n'y a pas les mêmes carcans disciplinaires qu'en France, où la psychanalyse est un peu comme une forteresse assiégée dans son coin. Voilà, il y a ça. Un grand article de Peter Burke, un très grand historien britannique, qu'on a republié avec une réintroduction de cet historien, qui est le premier finalement, il va imaginer une histoire sociale et une histoire culturelle des rêves. Non mais oui, les rêves ont une histoire, on ne rêve pas de la même manière selon les générations, selon les époques, ni les mêmes choses. Et il travaille notamment à montrer comment au XVIIe siècle, il y a une très forte pénétration du monde onirique par la politique. C'est le siècle des grandes révolutions anglaises. Et donc la politique s'invite jusque loin dans les psychismes britanniques. Il montre notamment qu'il faut sans doute ne pas interpréter tous les rêves comme si le roi renvoyait au père. Ne pas faire une espèce de repli familialiste permanent. Dire dans certains rêves, les rois sont des rois. Et il faut y faire attention. Voilà. Un autre, dans la partie recherche toujours, un très bel article d'Eric Lindstrom, un historien américain qui a mis le doigt sur un corpus incroyable de rêves. En fait, dans les années 20, en Grande-Bretagne, un anthropologue qui s'appelait Charles Seligman a demandé une grande collecte des rêves dans tout l'Empire britannique, en Océanie, en Afrique, en Asie. L'idée pour lui, c'était d'abord de renseigner l'administration impériale sur ce à quoi rêvent les sujets colonisés, pour mieux connaître et mieux gouverner du coup ces sujets. Et il a pensé que la psychanalyse pouvait servir à ça. Et puis derrière ça, il avait l'idée que il allait pouvoir montrer l'universalité de la théorie freudienne. Et puis en fait, une fois confronté à tout ça, à tout ce matériau immense, il s'est perçu que ça ne tenait pas tout à fait la route, qu'il y avait des populations chez qui la liberté sexuelle était telle qu'on ne voyait pas du tout le même refoulement sexuel dans les rêves. Donc la libido ne fonctionne pas de la même façon partout, on ne retrouve pas les mêmes stades oral, anal, génital. Bref, il y a une diversité culturelle qui résiste en quelque sorte à son interprétation. Et puis ce qu'on voit surtout dans ces rêves, c'est les blessures de la colonisation et des rêves d'émancipation, donc qui sont annonciateurs. Alors vous avez toute cette partie-là, et puis il y a une partie après plus expérimentale. Il y a une pièce très très rare de John McGregor, c'est un somniloque. C'est comme un somnambule, mais qui parle. En quelque sorte, c'est pas totalement pathologique. Mais voilà. Et cet homme-là, dans les années 60 aux États-Unis, a été enregistré par son colocataire. Voilà. 17 heures de bande de rêve. Et c'est là, on a un accès... Parce que d'habitude, on dit, au fond, il n'y a pas de rêve, il n'y a que des récits de rêve. C'est toujours dans l'après-coup qu'on appréhende les rêves. Et là, au contraire, on a un accès direct à des rêves bruts qui ont été captés comme ça. C'est une matière fantastique, mais effrayante. Hein. C'est des rêves de crimes collectifs, de viols, de mutilations, ou parfois des trucs beaucoup plus inouïs, hein, comme une ville de nains qui serait allouée. Enfin, c'est proprement vertigineux comme matériau. Vous avez une histoire de la photographie des rêves, c'est-à-dire au tournant du XXe siècle, les cercles occultistes et les cercles scientifiques communiquaient beaucoup plus qu'autrefois, et au moment de la découverte des rayons X, on a pensé qu'on pourrait photographier les rêves. Et donc il y a toute une expérience menée par Philippe Baudouin autour de ça. Un travail d'une anthropologue, Claude Grain, sur les planches à rêves dans le monde kanak, qui sont, c'est un objet en quelque sorte qui permet la communication entre les aïeux et les contemporains en Nouvelle-Calédonie. Et le rêve est le lieu de la manifestation d'un rapport entre les ancêtres et les contemporains. Et les ancêtres se manifestent en rêve pour annoncer l'avenir, et notamment annoncer des maladies, des fléaux. Et c'est une manière aussi pour les vivants, du coup, de se préparer à ce qui va advenir et d'aller voir aussi
des guérisseurs, d'avoir une pharmacopée pour guérir avant même d'être malade, en quelque sorte. Voilà. C'est un très beau texte aussi. Le texte d'une historienne des sciences, Jacqueline Carrois, sur une figure qui a beaucoup influencé Freud, qui s'appelle Alfred Maury, qui a écrit un livre majeur qui s'appelle « Le sommeil et les rêves ». Et elle a essayé d'interpréter un rêve très, très court qu'il fait, mais qui rappelle la mort, le suicide de son frère qui s'appelle Hyacinthe. Donc c'est toute une enquête intime, en quelque sorte, par le biais d'un fragment de rêve, en quelque sorte. Ensuite, une grande dispute autour d'un livre de controverse, autour d'un livre qui est paru l'année dernière aux éditions Anacarsis de Jean-Claude Schmitt et Gisèle Besson, qui s'appelle « Rêver de soi ». Les songes autobiographiques au Moyen-Âge. Il y a beaucoup de songes autobiographiques au Moyen-Âge, on n'imagine pas la matière qui existe. Et on a fait discuter les deux auteurs avec un anthropologue, Alban Wensa, spécialiste du monde kanak aussi, et un grand historien des sciences et des rêves, un spécialiste de Freud qui s'appelle Andreas Mayer. Et puis il y a un dernier texte qui est hors thème celui-là, qui est un thème qu'on a toujours dans la revue. C'est une rubrique qui s'appelle « Comment ça s'écrit ?» où on invite des chercheurs souvent un peu établis, reconnus, à nous raconter comment ils écrivent les sciences sociales au quotidien. Et c'est un texte de l'anthropologue François Laplantine et qui a beaucoup écrit sur l'anthropologie des villes, la rythmicité des villes. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle « Tokyo, ville flottante », un autre sur Pékin, les gens de Pékin, je crois que ça s'appelle. Et il raconte au fond comment il fait pour se dépouiller de son propre corps, sa propre gestuelle, de son rythme, pour essayer d'épouser les rythmes de la ville et pour les traduire ensuite dans l'écriture.